Bezrat Hashem, l'ulu nishmat, Yitzhak ben Shimon ben Phoebe, ve gam Mordechai Shamir. Zohar de ce matin, Patach, Rabbi Shimon ouvre son discours vers Amar, Shim'a tefilati Adonai, ve shavati azina, el dimati al techerash. Rabbi Shimon bar Yochai dit, je vois ici trois choses. Shim'a tefilati Hashem, Hashem écoute ma prière. Veshavati aazina, veshavati aazina, veldimati al techerash. Alors il y a ici tfila, shavea, dim'a. Tfilat shim'a tefilati, shim'a. Comme je vous ai dit, et je vous le répète, et je vous le répéterai mille fois, en hébreu, le synonyme n'existe pas. Il n'y a pas de mot pareil en hébreu. Chaque mot désigne quelque chose d'autre. Alors il y a ici shim'a tefilati, aazina el dimati. Quelqu'un qui connaît rien, il va te dire, oh, lishmoa le aazin, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Regardez dans la avant-dernière parasha de la Torah. Aazinu ashamayim ve'adabera ve'tishma ha'aretz imrepi. Qu'est-ce qui commente Rashi? Qu'est-ce qui commente là-bas le commentateur? Aazinu ashamayim. Quand tu dis ta'azin, parce que tu es proche de la personne. Tishma, parce que tu es loin. Moshe qui était proche du ciel, il disait aazinu ashamayim. Et il était loin du matériel de la terre. Il dit, Vetishma aaretz. De loin, elle écoutera la terre. Ça veut dire que le hazin, c'est proche. L'ishmoa, c'est de loin. Donc, ici, David Ameler dit, Shim'a tefilati Hashem. Aazina, Shavati aazina. Veldimati al techerash. Dit Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, viens, je t'enseigne quelque chose. Il dit, il y a trois manières de prier. Tfila, mazet tfila, à voix basse. Comme dit le Shulchan Aruch, quand tu fais la Amida, tu dois baisser la voix. Si tu lèves la voix, has v'shalom, c'est comme si tu n'as pas de emuna. Tu penses que Dieu ne peut pas écouter. Alors tu lèves la voix pour que Dieu t'écoute. Has v'shalom. Dieu, il peut lire qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur maintenant, il peut savoir. Qu'est-ce que tu penses maintenant dans la tête, il peut savoir. Alors tu veux lever la voix pour qu'il écoute. C'est un manque de emuna. Donc, la Amida se fait en silence. Mais qu'est-ce que c'est silence? Le Shulchan Aruch dit, il faut la lire à voix basse. Mais il faut l'écouter toi-même, toi. Celui qui fait la Amida, tu dois l'écouter. Vient le Harizal, il dit non, même pas ça. Même pas ça. Tu dois lire tellement basse que rien que tes lèvres articulent. Mais tu n'arrives pas à t'entendre toi-même. Tellement basse. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a des anges qui passent. Et quand il entend que tu demandes la refoua à la parnasa, il prend ta prière, il la laisse pas monter en haut. Alors tu la fais basse pour que rien qu'Hachem l'écoute. Qu'un ange, s'il passe, il ne veut pas l'écouter. Comme ça dit le Harizal. Alors il dit ici, ça c'est chez Tfila. Après Tfila, il y a Shav'a. Qu'est-ce que c'est Shav'a? Il emmène Rabbi Shimon bar Yochai un verset dans le livre de Shemot. Vata al Shav'atam el Elohim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait le Bnei Israël quand ils étaient torturés, frappés, massacrés, ken, asservis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commençaient à crier pendant la journée. Hachem, regardez qu'est-ce qu'ils nous font. Hachem, je ne peux plus. Hachem. Vatal shavatam el Elohim. Ils criaient vers Hachem. Et Hachem, il les a entendus. Il a pris Moshe Rabbeinu et dit, va leur sauver. Ça, c'est Shavéa. Et après, il y a Dim'a. Dim'a, c'est une personne qui n'arrive rien dire, elle pleure. Elle n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Rien que tout ce qui lui sort, c'est des pleurs. Il pleure. Okay? Il n'arrive pas à pleurer. Il y a une fois, un décret en Hongrie que les juifs n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants à la yeshiva. Ils sont obligés de l'envoyer dans une école normale. Ils ont fait tout de suite une délégation de rabbins. Le chef de la délégation, c'était le Khatam Sofer. Quand ils sont arrivés devant le ministre, c'est le gouverneur, le Khatam Sofer s'est mis à hurler et à pleurer. Il pleurait. L'autre, il dit, j'entends rien, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'entends rien, tu pleures, tu cries, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, écoutez, parce que de ma voix, sort la voix de tous les enfants juifs ensemble, alors ça crie.
et vous n'arrivez pas à entendre. Tu comprends? Des fois, une personne n'arrive même pas à s'exprimer. Elle pleure. Elle pleure. Là, c'est Dima'ati. C'est ça qu'il dit David Ameler. Des fois, il n'arrivait pas à s'exprimer. Alors, il pleurait. Okay? Et pleurer, on sait que c'est quelque chose de très important aux yeux d'Hachem. Alors là, il y a trois choses. David Ameler, il dit, Shima, tifilati Hachem. Hachem, des fois, je fais ma prière à voix basse, écoutez-moi. Sinon, veshavati, quand je crierai à Azina, vous allez m'écouter quand je vais crier. Et le jour que je pourrai ni faire la tfila à voix basse, ni crier, elle dit ma'ati, quand je pleure, al techerash. Ne le laissez pas. Écoutez ma prière à travers mes larmes. Alors pour dire que David Amel priait de trois façons. Voix basse, voix haute et avec des larmes. Et il demandait à Hachem pour qu'il accepte sa prière. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.